tous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel étoilé, des conditions météo parfaites pour vivre cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça et on va d'ailleurs vous communiquer dans un tout petit instant la liste des joueurs qui vont débuter cette rencontre. Des tribunes bleues et grenats, un hymne qui retentit. Pas de doute, on est dans un des temples du football, au Camp Nou. C'est donc parti. C'est envoyé dans l'axe. Danger repoussé pour le moment. Il va au duel. Il est sur le côté. Ça... Oh, le coup de tête! Oh, ça rentre! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu, mais il est inarrêtable. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Bartra. Nelson, c'est... Faute. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. L'arbitre signale une faute. Frappe direct. Le corner est joué court. Joaquin, ça joue à gauche. Le Betis Séville qui cherche l'ouverture. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Oh, Griezmann, il tente de la jouer dans l'espace. Oh, le duel. Qui est le premier sur ce ballon? Le bon dégagement. Ça passera sur le côté. Oh, le bon ballon! Oh, c'est chaud! Il tente sa chance! Il peut encore frapper jusqu'au bout! Oh, il marque! Ils enfoncent le clou en marquant rapidement à l'autre but. Griezmann qui a parfaitement surgi. Oh, l'opportunisme! C'est vrai que ce genre de bourde peut arriver même au meilleur. Le truc maintenant, c'est qu'il faut absolument et très rapidement se reconcentrer. Et le doublé. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Et un contact qui n'était pas régulier, coup franc. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Un peu d'air. Bartra. Joaquin. Qui a de la liberté. Guardado. Avec Dembélé. C'est joué long. Attention. Belle passe lobée. Rafinha. Aucun danger pour le gardien. Oh, il va s'en vouloir. C'était une grosse occasion. C'est la pause ici. Eh bien, écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0.
l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. William Carvalho. Bartra qui cherche la profondeur. Il joue dans l'espace. Canales. Il y a peut-être un coup à jouer. Il centre dans l'axe. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Guardado. Il essaye de faire la différence côté gauche. Ça ne passera pas. Oh, Griezmann. Il glisse le ballon en profondeur. Le bon dribble. Oh, l'inspiration! Oh, le poteau! Joaquin. Griezmann. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Christian Tello. L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir. Et c'est directement récupéré. En retrait vers son gardien. Le long dégagement du gardien. Oh, le petit ballon piqué. Danger repoussé pour le moment. William Carvalho. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Barcelone qui peut avancer. Allez. Christian Tello. Mandy. Christian Tello. Guardado. Il met le pied, ballon récupéré. La faute. Il tente de la jouer dans l'espace. Et ce ballon vers la sur... Et la tête. C'était une énorme occasion, mais c'est manqué. Bon, au moins, il joue le va-tout, mais vont-ils réussir à marquer? Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. La passe dans la profondeur. Il est passé. Il a tenté, bien joué. Il était quand même pas mal, ce tacle. Dégagement. Dommage, ils avaient pris leur temps, mais au final, le ballon est rendu à l'adversaire. Il joue dans l'espace. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Quelle victoire absolument fantastique, sincèrement, on va s'en souvenir longtemps de ce match. Que retenez-vous de cette rencontre? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans la...